Eh bien, salut tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo sur GTA Online. Alors aujourd'hui, je vous expliquer le but de cette vidéo. Bah, je vais vous montrer comment on vend notre marchandise. La vidéo précédente, je vous ai montré comment l'acheter. Bah, ce aussi, je vais vous montrer comment la vendre. C'est tout, vraiment tout simple. Alors, vous allez dans votre entrepôt. Je vais vous poser. Alors moi j'ai pris l'entrepôt moyen. J'ai pas pris un grand. Après, on va voir. Oh, vous allez voir, c'est vraiment tout bête. Ouais, je vais vous montrer un peu tout ce que j'ai. Ouais, j'en ai refait quelques-unes, j'ai récupéré un peu de matos. Alors, je vous montre. Alors, vous avez cet ordinateur-là. La flèche de gauche, comme c'était marqué. Enfin, ensuite, voilà, il vous met qu'est-ce que vous voulez vendre. Bon, bah, on va vendre les... Allez. Allez, soyons fous, on va tout vendre, on va vendre 159, et hop, soyons fous. Alors, on va voir qu'est-ce que c'est. Je l'ai fait qu'une fois, c'était avec l'avion, je sais pas du tout ça. Ah. We got a buyer. He wants to make the exchange in international waters, so the goods are loaded onto a boat down at the docks. Get it out to the drop-off, and we got our money. Bon bah, comme vous voyez, je suis encore tout seul dans la session. Je vous montrerai prochainement comment faire, il n'y a rien de compliqué. Moi je peux même vous le dire, ça vous mettra un terme de vidéo. En fait, dès que vous arrivez dans une session où vous vous mettez en PDG, et sans arrêt vous faites trouver une nouvelle session jusqu'à temps que vous soyez tout seul. Et je vous promets que vous serez pas emmerdé. Là ça fait. C'est un ami à moi qui s'appelle Girona. Après il se reconnaîtra s'il regarde cette vidéo. Qui m'a dit carrément comment faire. Je le savais pas du tout. Il m'a dit tu fais comme ça, tu seras tranquille. Je le fais depuis, je sais plus, vraiment, je vais vous dire, tout bête, hein, depuis ce week-end. Puis c'est vraiment pas plus longtemps, mais bah, quand même, je suis tout seul, je suis tranquille. Il n'y a personne pour venir me casser les couilles, je suis vraiment peinant. On va faire un bon petit tas, comme vous voyez, comme ça m'aidera vachement à remonter. Bah, déjà, mon argent, quoi. Ah, voyons, on va prendre le vieux cargo tout pourri. Ah oui, j'ai fait un nouveau crew, comme je vous l'ai peut-être déjà dit. C'est la bande à Chris. Je vous invite vraiment à le rejoindre. Bon, pour l'instant, je suis tout seul, quoi. J'ai pas. Le crew vient juste d'être créé. Après, je vais voir quelques amis s'ils veulent me rejoindre, vu qu'apparemment, ils vont m'expliquer quoi que. C'est fait un crew qui a aidé plein de gens qui avaient promis de rejoindre, mais finalement, bah, il aura fait un coup du lapin. Alors, comment on fait monter dans le bateau? Ah ouais, c'est vraiment le vieux Rafi, ouais. Wow. Et il est loin ce point. Allez donc les amis, on n'est pas prêt d'y arriver. Bon ben sur ce, j'espère que vous, ça va, moi ça va nickel, ça va mieux. Ça va largement mieux, j'ai quelques petits problèmes la semaine dernière, mais alors je commence à retrouver la forme, je suis vraiment content. Et du coup c'est un autre collègue qui a chopé ce que j'avais, qui n'était pas du tout en forme, là ça va vachement. Vous voyez toute la carte, je suis tout seul, mais oh. Et vous imaginez si vous êtes dans une carte, allez, vous êtes une trentaine dans la carte, comme ça, avec un vieux coucou comme ça, ah bah vous faites descendre en même temps, c'est un truc de malade, le truc qui va deux à l'heure. Oh, excellent. Après, je vous jure, hein, je passe en moment, j'ai la gâchette appuyée à fond. C'est excellent ce klaxon. Ah ouais, mais ça par contre c'est pas prévu, je suis tout seul. Aïe, 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 aïe. Ah oui, d'accord, je comprends pourquoi qu'ils ont fait ça une demi-heure. Ah oui, ok, d'accord. Ah oui, j'ai compris, en fait je crois que c'était vachement ça, mais en fait je pense que ça va être vachement de casse-couille. Oh non, c'est pas vrai. Ça de ce côté là je suis vraiment bien équipé. Par contre si vous êtes à tout petit niveau les gars, vous avez vraiment pas de bol. Comme ça, protection. Ah ouais, j'ai jamais en fini moi.
Ok, maintenant je comprends pourquoi ils ont fait ça pendant plus d'une demi-heure. Allez, coucou je panier. Ah merde. Je le vois pas avec le cul du bateau. Ça, j'ai de la chance, je crois qu'ils peuvent pas monter. Je vais le flinguer ce qui va remonter sur le truc. Allez, bonne nuit. On va y arriver, vous inquiétez pas. On va y arriver. Je crois que j'ai pas pris la plus évidente, je crois bien. Allez. Oh, c'est pas possible, putain. J'ai l'air de rager, mais c'est un peu bien marré quand même. On a un temps, je vais éclater tous mes pare-vols. Allez, un petit coup de taxi histoire de rigoler. C'est vraiment chaud. Hein. J'ai rien pris au niveau alimentaire. Je sais pas qui c'est ces personnages, je pense que c'est des. Elles vous rendez compte si jamais vous. Oh putain, c'est pas vrai. Elle va me lâcher mon fils. Vous vous rendez compte ce que je... Attendez deux secondes. Oui, je vous ai. Si vous avez plus les gars qui viennent vous emmerder, plus eux, on n'a pas fini. Donc on n'a pas fini. On va essayer comme ça, mais à mon avis, c'est un temps que j'y arrive. Allez, on voit le point, regardez là-haut, ça y est, on commence à voir le point. Ah, j'ai fait une connerie, j'ai laissé sous des protections. On va les narguer un petit peu quand même, je sais pas ce que vous en pensez. Mais... En tout cas, franchement, si vous voulez acheter ce bateau, je vous conseille pas du tout. C'est de la vraie double. Vous arrivez à 2 à l'heure, je crois que c'est aussi marrant pour faire le tour. Oh, j'ai cru qu'elle allait monter sur le bateau. Attendez, je vais me les faire parce que j'ai peur que le mec il prenne pas la marchandise. Parce que j'ai peur que le mec du coup qu'il prenne pas la marchandise serait un peu con quand même. Oh, j'espère qu'il va pas me dire faire 15 allers-retours, hein, putain. Il y a quand même qu'on arrive, on va pas faire les fumées. Eh ben dis donc, tout ça pour faire ça. C'était chaud. Eh ben voilà. Impeccable. Et voilà. Ce que je vous disais, c'est aussi simple que ça. Ouais, y a rien de compliqué, c'est vraiment tout con. Par contre, après, il faudra refaire l'émission pour avoir encore la marche histoire. Bon, bah, sur ce, j'espère que ça vous aura plu. Moi, j'ai pris un gros kiff, vous l'a fait. Allez, salut les potos!